Bienvenue et ravi de vous voir quasiment nombreux à notre conférence du jour, malgré un peu d'obstacles mis pour arriver jusque-là. Donc, on ne doute pas que vous soyez fort intéressés par le thème du jour. Donc, l'Université populaire de Bordeaux, qui organise cette conférence aujourd'hui, en organise régulièrement le jeudi de préférence et à cet endroit. Vous connaissez peut-être un petit peu l'UBB pour la plupart d'entre vous, oui. Donc, ce n'est pas la peine que je m'étende sur cela. Je vais donner tout de suite à ce moment-là la parole à Marie Guermont et elle va nous présenter un portrait d'une féministe qui a compté dans l'histoire du féminisme, même si on n'en parle pas souvent. C'est Clara Zetkin et on a choisi cette conférence bien sûr en lien avec la journée du 8 mars et avec le fait que surtout cette question féministe, même si elle date dans le fait d'avoir été posée notamment un siècle plus tôt, et elle reste finalement d'une grande actualité et donc il ne nous semblait pas invraisemblable d'aller regarder un petit peu le portrait de Clara Zetkin. Donc Marie, on te donne la parole. Merci. Donc, n'hésitez pas à me dire si je parle pas assez fort, trop vite ou trop lentement. Bon, je ne mesure pas forcément tout le temps. Alors, je commencerai par une citation. « Les femmes au théâtre de l'histoire sont ombres légères », a écrit l'historienne Michel Perrault. Discutant autour de la journée internationale des droits des femmes, nous avons voulu la rendre moins légère, en proposant en sujet pour ce jour une évocation de Clara Zetkin. Clara Zetkin est connue au mieux comme dirigeante féministe ouvrière et ce sera le sujet principal de cet exposé. Elle fut effectivement, à partir de 1907, la secrétaire internationale des femmes socialistes et à partir de 1920, la responsable du secrétariat féminin de la Troisième Internationale. Ça va comme rythme et comme... D'accord. Mais elle fut aussi, par exemple, la communiste occidentale la plus largement connue et fêtée en URSS, correspondante et amie proche de Lénine. Voici comment Auguste Thalheimer situe son rôle dans le mouvement révolutionnaire allemand du début du XXe siècle. Il écrit « Dans la Trinité, comme on disait, Rosa Luxembourg était l'intelligence théorique et créatrice, Franz Mehring, le grand publiciste, au sens publiciste de journaliste et écrivain politique, et l'intelligence historique. Clara Zetkin était la force qui travaillait directement sur de larges masses. » Alors, je ferai au préalable deux remarques. Le terme « social-démocratie » désigne, de la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, le mouvement socialiste en général. Et à partir de 1920, il concerne seulement les partis socialistes différenciés des partis communistes. Par exemple, Clara Zetkin fut social-démocrate, puis spartakiste, la gauche révolutionnaire du Parti socialiste allemand, enfin communiste. Je vais illustrer les idées de Clara Zetkin en les confrontant à des faits historiques postérieurs, comme un lien entre la théorie et la pratique. Je vais commencer donc par un portrait général, avant d'aborder d'un point de vue plus... avant d'aborder ses différentes actions. C'était une femme, une militante sincère, volontaire, passionnée, d'une grande ardeur au travail militant, capable de défendre avec opiniâtreté ses points de vue, y compris au sein de son parti, sans cesser pour autant de défendre la liberté de discussion et le dialogue avec les siens, comme avec des adversaires politiques qu'il s'agit de convaincre ou de gagner. Ses discours et ses écrits, souvent brillants, accordent une grande place à l'affectif, dans un style auquel nous ne sommes plus habitués,
mais qui suscitait alors l'adhésion, le succès auprès de larges masses. Elle était considérée comme un bon tribun, parce qu'on ne dit pas tribune. Ainsi, en 1917, après la révolution de février, s'adressant à ses camarades russes, « Votre conférence se tient sous le signe flamboyant de la puissante action populaire en Russie. Une action dont le moteur, dont l'âme ardente, est le jeune prolétariat, guidé par une social-démocratie, donc le terme à l'origine, social-démocratie, qui même en temps de guerre a brandi devant les masses le drapeau sans tache du socialisme internationaliste. Son caractère emporté la rend parfois capable d'erreurs, malgré son intelligence et sa formation théorique, mais elle peut aussi les discerner et modifier son point de vue. Un certain manque de confiance en elle l'a fait douter parfois de la conduite à tenir. Elle recherche alors conseils et avis auprès d'Engels dans une première période, puis de Bebel et Luxembourg, enfin de Lénine. Je voudrais achever ce portrait en insistant sur la détermination et le courage de Clara Zetkin. En 1923, déterminée à prononcer son rapport sur le fascisme au comité exécutif de l'Internationale communiste, mais ne pouvant plus marcher, elle pénètre dans la salle juchée sur un fauteuil porté par deux camarades. Entrée spectaculaire qui lui vaut les applaudissements de la salle. Ce à quoi Clara réplique « Croyez-vous donc, camarades, que c'est un grand mérite d'être vieille et infirme ?» Et de son courage. En novembre 1932, en Allemagne, les élections sont un succès pour les nazis. Les SA sèment la terreur dans la rue. En tant que doyenne du Parlement, le Reichstag, c'est elle qui doit inaugurer la session d'ouverture. Elle est menacée, si elle prend la parole, par lettre anonyme, par la campagne de presse de la droite, qui la traite de juif communiste, moscovite, coupable de haute trahison, etc. Pour Landgriff, le journal de Goebbels, elle est une salope. À 75 ans, Clara se déplace très difficilement, est presque aveugle et sujette à de nombreux évanouissements. Elle tient à remplir son rôle. Hissée à la tribune, elle dénonce, je cite, « la terreur exercée par les fascistes et la lâcheté du libéralisme bourgeois ». Rappelons que pour les mêmes attaques, Matteotti, député socialiste italien, a été assassiné par les fascistes de Mussolini. Elle appelle, dans son discours, à, je cite, « un front uni de tous les travailleurs pour repousser le fascisme et pour conserver ainsi aux exploités leurs organisations ». Maintenant, pour son chemin, Clara Eichner, de son nom de naissance, fréquente à partir de ses 20 ans un cercle d'étudiants russes révolutionnaires. Parmi eux, Ossip Zetkin. Clara le suit dans son exil à Paris. C'est le père de ses enfants, Maxime et Kostia, qui seront aussi militants plus tard. Zetkin, c'est en quelque sorte un nom militant, car le couple a choisi de vivre en union libre. Plus tard, mariée, puis divorcée d'un autre compagnon, elle gardera toujours le nom de Zetkin. Ce qui fait qu'elle est qualifiée de juive, elle-même étant pas juive, mais Ossip Zetkin, oui. Clara, Ossip et leurs enfants vivent à Paris dans le dénuement, voire la misère. Mais ce sont aussi des années de formation théorique, d'apprentissage au métier de traducteur et de journaliste, de discussion avec des socialistes en France, de rencontres avec les dirigeants du mouvement ouvrier, français et allemand surtout. Ossip meurt en janvier 1889 à 36 ans. C'est une immense douleur pour Clara, mais elle poursuit leur tâche militante. Elle est chargée cette même année de représenter la social-démocratie allemande au comité de préparation du Congrès de Paris.
Et on verra plus tard que c'était rare d'accorder à une femme de telles responsabilités. L'année suivante, donc en 1890, elle regagne l'Allemagne. Elle a alors 33 ans. Dès 1889, Clara Zetkin, que je qualifierais de féministe prolétarienne, selon la terminologie de l'époque, définit à grands traits une théorie de l'émancipation féminine qu'elle ne variera pas pour l'essentiel. Elle parle du point de vue d'Engels. Pour que l'émancipation féminine devienne réalisable, écrit-il, il faut d'abord que la femme puisse participer à la production sur une large échelle. Et cela n'est devenu possible qu'avec la grande industrie. Clara en tire des conclusions que je pense erronées au congrès de Paris et de la Halle. Elle s'oppose, sans d'ailleurs être suivie par les congrès, à l'interdiction du travail de nuit et des travaux dangereux pour les femmes, en considérant que ces mesures freineraient l'embauche. Il faut dire qu'à l'époque, le mouvement ouvrier lui-même était très partagé sur les places de la femme à l'usine. On a vu qu'Engels y était extrêmement favorable. Mais par exemple, le congrès syndical réuni à Erfurt en 1872 se prononce pour la disparition du travail salarié féminin. À partir de 1892, Clara Zetkin reconnaît son erreur de jugement par rapport à l'interdiction du travail de nuit des femmes qu'elle défend et combat dès lors avec acharnement pour la conquête des droits sociaux des femmes travailleuses. Au plan théorique, elle poursuivit l'analyse dessinée par Engels et Bebel. L'ouvrier comme l'ouvrière étant désormais esclave du capital, seule la révolution et l'instauration du socialisme peuvent la libérer. Clara Zetkin est consciente du fait que, je cite, « même dans une société socialiste, les femmes devront mener une lutte ardente pour être soulagées des tâches domestiques et échapper à la double morale sexuelle. Mais il s'agira alors d'un simple conflit de mœurs hérité du passé et non plus d'entraves extérieures. La révolution d'octobre 1917 en Russie, proclamant l'égalité des droits des hommes et des femmes, l'appuyant sur des mesures très concrètes, valide ce point de vue d'Engels, Bebel et Zetkin. Droit au divorce, à l'avortement, dans un pays extrêmement arriéré. Création de cantines et laveries communautaires, crèches, jardins d'enfants pour libérer les femmes de l'esclavage domestique. Intégration de femmes à des postes de direction dans l'économie et le gouvernement notamment. Campagne contre l'analphabétisme qui touche 80% des femmes. La plupart de ces mesures ont été abolies par Staline. Lors de ses voyages nombreux en URSS, Clara s'attache à mesurer les avancées, mais aussi les lenteurs dans tous les changements. De son analyse, elle conclut au peu de rapports entre le féminisme prolétarien et le féminisme bourgeois. D'autant qu'un autre sujet les sépare. Selon Clara, contrairement au point de vue majoritaire chez les féministes dites bourgeoises, il n'existe pas de nature féminine. La femme est « Mensch » en allemand, ce qui veut dire « un être humain ». Rien ne doit l'enfermer dans une spécificité biologique. Elle pense ainsi que la maternité n'est pas une caractéristique essentielle des femmes. Aussi, même si dans son combat contre la guerre, Clara Zetkin s'adresse prioritairement aux femmes, elle ne put être surprise du ralliement bruyant à l'union sacrée des organisations féministes bourgeoises en 1914, union sacrée donc pour la guerre, en France particulièrement. Dans son propre parti, le SPD, Parti socialiste allemand, les socialistes prouvent que les femmes ne sont pas, par nature, plus enclines à la paix que les hommes. Par exemple, Lili Braun vante, je cite, « les effets purificateurs de la guerre » et reproche à ses opposants de ne voir de la guerre que ses horreurs, la dépouillant
de tout ce qu'elle a de grand au plan des idées comme de l'action. Et c'était, elle était dans le même parti à l'époque que Clara, hein, le Parti Socialiste Démocrate, le SPD. Lili Brun et Clara Zetkin s'étaient déjà heurtées sur la conception de l'organisation féminine. Voici ce que répond Clara à un des projets de Lili, celui d'un centre de vie chargé d'enquêter sur les conditions de vie des ouvrières. Donc je cite Clara Zetkin, « Le peu de force dont disposent les femmes socialistes est occupé à plein temps à des tâches de propagande et d'organisation. Semaine après semaine, ces militantes vont de ville en ville, rencontrent des camarades, grimpent des escaliers, discutent, tiennent des réunions. L'objectif n'est pas de former des sociologues, mais d'éveiller la conscience de classe des ouvrières pour en faire des militantes socialistes. » Fermez les guillemets. Mais pourquoi, on peut se demander pourquoi des organisations spécifiquement féminines au plan national et international dans la deuxième et la troisième internationale. Alors, selon moi, la situation le justifiait. En Allemagne, par exemple, les femmes n'obtinrent qu'en 1902 le droit d'assister à une réunion publique et encore de façon séparée des hommes. Elles eurent seulement en 1908 le droit d'adhérer à un parti politique. Aussi, clandestinement d'abord, la propagande vis-à-vis des femmes fut assurée par des femmes social-démocrates. De plus, la surexploitation des ouvrières, leurs journées de double travail, le retard culturel et politique qui en découle, les rend plus réceptives aux campagnes de masse conçues par Clara sur la protection au travail, par exemple, ou le droit de vote, plus perméable donc, plus réceptif qu'à la propagande habituelle du Parti socialiste. C'est sur ces considérations que pendant la Révolution allemande de novembre 1919, Rosa Luxembourg, qui n'était pas particulièrement intéressée par les questions féminines, demande de toute urgence un article de Clara Zetkin pour le premier numéro du journal Spartakis, Die Rote Fahne, ça veut dire le drapeau rouge. Nous voulons avoir ton nom tout de suite dans le journal, dit Rosa à Clara. Tu pourrais peut-être écrire sur les femmes, c'est si important actuellement et aucun de nous ici ne s'y entend. Enfin, des organisations spécifiques permettaient de contourner les réticences, pour être poli, d'un certain nombre de dirigeants socialistes. Tous les chiffres attestent d'une importante sous-représentation féminine dans les congrès et les instances dirigeantes. Par exemple, si une femme représente la troisième internationale au congrès de Tours en 1920, et c'est Clara, seules 12 femmes sont déléguées sur un total de 370 délégués. Ce qui fait dire à un jeune délégué, les femmes comme les pauvres sont, je cite, traitées en parents pauvres dans les organisations ouvrières. Les ricanements et l'incompréhension sont monnaie assez courante. En témoigne cette intervention d'Ignaz Auer au congrès du Parti socialiste allemand en 1898. Je cite « Où allons-nous si nous devons entendre de tels discours de la part de représentantes d'un sexe dont on prétend qu'il est opprimé ?» Rire. « Je ne manifeste pas personnellement un grand enthousiasme pour leurs revendications, c'est bien connu. » Rire. Mais quand j'ai entendu hier la camarade Zetkin nous bombarder de ses attaques, gros rire, qu'est-ce que cela sera quand il sera libre et égal en droit ? Tempête de rire. Et encore, le camarade Bauer, mis en cause par Clara, est un beau jeune homme. Tempête de rire. Comment nous traitera-t-on, nous, les vieux ? Je vois dans leur attitude une adaptation, une perméabilité à la société existante. Un délégué au congrès d'Iéna en 1913 conseille, je cite, « Il serait bon que les camarades ne fassent pas preuve d'autant de mesquinerie que les hommes de la classe bourgeoise et qu'ils regardent d'un autre œil le mouvement des femmes. » Et il est particulièrement révélateur en ce sens que ce soit chaque fois les courants les plus à droite des partis ouvriers qui se montrent les plus rétrogrades sur la question féminine. Je prends deux exemples.
Ainsi, le courant révisionniste, qui rompt avec le marxisme, prend le contre-pied des positions défendues par Engels, Bebel, Clara Zetkin notamment, en prônant le retour des femmes au foyer, en affirmant que le socialisme devrait rétablir la famille patriarcale détruite par le capitalisme selon eux. Ainsi, cette remarque, deuxième exemple, dans l'aile droite de la Deuxième Internationale en 1910, de Victor Adler à Karl Kautsky, imagine-toi, je cite Clara, avec un mandat de député du Reichstag, aux côtés de Rosa. Qu'est-ce que vous auriez comme histoire ? Des campagnes menées par l'organisation des femmes socialistes, je retiendrai celles qui concernent le droit de vote féminin, car elles me paraissent très illustratives d'une méthode. Le point de vue de Clara Zetkin en 1889 apparut abrupt à beaucoup. Elle écrit « Le droit de vote sans liberté économique n'est ni plus ni moins qu'un chèque sans provision. » Si l'émancipation sociale dépendait des droits politiques, la question sociale n'existerait pas dans les pays où est institué le suffrage universel. Fermez les guillemets. Il n'empêche qu'en tant que conquête démocratique, le droit de vote des femmes a fait partie des revendications de l'Internationale socialiste. Meetings et manifestations rassemblent des foules très importantes. Lors de la deuxième conférence internationale des femmes socialistes en 1910, le suffrage universel se trouve au centre des discussions. Une résolution sur proposition de Clara adopte l'organisation chaque année d'une journée internationale des femmes en accord avec les organisations politiques et syndicales. Nous avons eu un retour de ce genre d'organisation dans la manifestation d'hier à Bordeaux. Plus tard, la journée est fixée au 8 mars et intègre la lutte contre la guerre menaçante et l'exploitation. Les organisations féministes bourgeoises proposent, en pare-feu qui ne fera pas long feu, une date concurrente en juin. L'unité avec cette fraction modérée des féministes qui accepterait un vote féminin censitaire, c'est-à-dire un vote qui ne concernerait que les plus riches, l'alliance avec elle lui paraît impossible. Mais à partir de 1890, une aile radicale de ces féministes défend le suffrage universel, l'accès à l'enseignement supérieur, la protection des femmes au travail. Dès lors, même si ces radicales n'envisagent pas de mobiliser les ouvrières, ne fixent pas le socialisme comme issue nécessaire, les combats communs sont possibles selon un principe que je crois très important, marcher séparément, frapper ensemble. Le droit de vote pour les femmes est obtenu en Allemagne lors de la révolution de novembre 1919, bien avant la France par exemple. Le journal dont Clara est la rédactrice en chef, Die Gleichheit, qui veut dire l'égalité, a constitué un lien politique très important au-delà du mouvement socialiste féminin. C'est en 1892, un modeste bulletin trimestriel du journal L'Ouvrière, qualifié de « sacrément mauvais » par Engels. Repris par Clara, il ne gagne pas immédiatement en qualité ni en diffusion. Mais une dizaine d'années plus tard, Die Gleichheit a bien changé. La gamme des sujets traités s'est élargie. La forme des contributions s'est diversifiée. Le journal intègre la littérature sous forme de feuilleton, par exemple. Les articles sont plus brefs, précis, concrets. Le nombre d'abonnés, EUS, grimpe en flèche, 4000 en 1902, 28 700 en 1905. Et le progrès s'accentue encore. Conçu au départ pour les femmes social-démocrates, le journal élargit son ambition et son audience dans la classe ouvrière auprès des femmes. Il contient désormais des conseils pratiques, c'est un journal de masse. De plus, la dimension internationaliste présente dès l'origine se renforce quand
Clara devient en 1907 responsable du secrétariat international des femmes socialistes. Die Gleiche Eid en devient l'organe. Des socialistes extérieurs au Reich allemand, comme Alexandra Kollontai, Angelika Balabanov, contribuent au journal. L'augmentation du nombre d'abonnés se poursuit, en progression continue, de 62 259 en 1909 à 125 000 en 1914. Ça peut faire rêver beaucoup de journaux ouvriers à l'heure actuelle. Die Gleiche Eid a tenu une place particulière à partir de 1907, lorsque la direction du SPD, le Parti socialiste allemand, tout au développement de son appareil bureaucratique, renonce au combat pour le socialisme en faveur d'une politique de réforme progressive. La presse, comme toute initiative en désaccord avec la ligne officielle, est censurée. Die Gleiche Eid, en exemple unique, a pu préserver sa liberté d'expression. Et il me semble bien que le journal ait bénéficié, cette fois, des préjugés anti-féminins de ses dirigeants, qui considéraient que ce qui concernait les femmes était affaire mineure. Die Gleiche Eid, journal à grand tirage, qui maintient une politique révolutionnaire internationaliste, est donc un point d'appui pour toute la gauche du SPD. Le mouvement féminin socialiste a participé activement à la lutte de la Deuxième Internationale contre la guerre menaçante. Le discours de Clara Zetkin au congrès de Bâle en 1912 est très remarqué. Dans le style pathétique qui lui est propre sur ce sujet, elle lance un appel aux femmes et aux mères pour se dresser contre le massacre menaçant. Toutes les grandes figures du mouvement socialiste, droite et gauche, socialiste européen, étaient présentes à Bâle. En 1914, la donne a changé. La plupart des dirigeants sociaux-démocrates se sont ralliés à l'Union sacrée, avec y compris l'entrée de Guède, par exemple, au gouvernement français. Aussi, la tâche de Clara, comme de tous les socialistes internationalistes, est double. Il s'agit d'une part de convaincre le plus largement possible de la nécessité de la paix et de la révolution dans une situation de semi-clandestinité, ponctuée des arrestations de ses opposants à la guerre. L'exemple de Rosa Luxembourg est significatif, de Karl Liebknecht aussi, qui sont connus à prison. L'internationale féminine et la Gleiche Eid se révèlent des leviers importants. En mars 1915, la conférence des femmes socialistes à Berne anticipe les conférences de Zimmerwald et Quintal et constitue par là un point d'appui. C'est-à-dire qu'il y a eu, pas seulement, je ne sais plus où l'autre, mais il y a eu deux conférences de femmes pendant la guerre qui ont accueilli des délégués des différents pays entre eux belligérants. Et donc les conférences des femmes ont été un précurseur par rapport aux deux grandes conférences de Quintal et Zimmerwald. Cependant, le refus de la majorité des 28 délégués de Clara de suivre les délégations polonaises et russes qui demandaient d'établir les responsabilités des socialistes promoteurs de l'Union sacrée affaiblit leur initiative. Tout n'était pas rose, il y avait des désaccords même au sein de la gauche des partis socialistes européens. Donc je disais que la tâche était double pour tous les socialistes internationalistes, dont Clara. Il s'agit d'autre part de combattre donc la politique chauvine des dirigeants de leur propre parti. En Allemagne, la guerre et son cortège de tueries et de misères se prolongeant, un certain nombre de députés, jusque-là passifs, prend ses distances avec une direction qui accepte tous les avatars de la politique gouvernementale. Début 1916, tout le monde est exclu du SPD. Ce groupe, comme la gauche spartakiste, menée par Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg, Clara Zetkin est congédiée de la Gleiche Eid, le journal repris en main par la direction bureaucratique du SPD ne retrouvera plus jamais sa qualité ni son audience. Tous les spartakistes saluent la révolution d'octobre 1917 et les espoirs qu'elle porte en elle au-delà de la Russie.
mais Clara est certainement la plus enthousiaste d'entre eux. De ce moment datent ses liens avec Lénine, dont elle devient la correspondante attitrée pour la situation en Allemagne. Voilà ce que Clara écrit à Lénine en 1919. Je cite, « En Russie, la couche bourgeoise est mince, jeune, pas encore bien organisée. Il en va différemment en Allemagne. Ici, la bourgeoisie est appuyée sur une moyenne et petite bourgeoisie nombreuse, relativement cultivée et qui a une histoire et des traditions. L'impérialisme a fourni à cette couche sociale une idéologie neuve, séduisante. Cette bourgeoisie petite et moyenne, sous la direction des partis du centre, constitue la garde et le bouclier de la bourgeoisie proprement dite. C'est le parti des fanatiques de l'ordre, du calme, de la sécurité, de la relance de la production à n'importe quel prix. » Fermez les guillemets. Mais Clara Zetkin pense aussi qu'on peut amener cette petite et moyenne bourgeoisie à changer de camp. Je cite, « Nous devons la désarmer politiquement par les explications de notre propagande. Indispensable non seulement pour démoraliser les forces de la contre-révolution, mais aussi pour gagner des forces en prévision de la reconstruction qui incombera à cette révolution. » Fermez les guillemets. Cette révolution éclate en 1917 en Allemagne. Clara y participe. Cette révolution est réprimée de façon sanglante par le gouvernement socialiste d'Ebernosc. Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg sont sauvagement assassinés par les soldats de ce gouvernement. Clara lance un appel pour toutes les victimes de cette répression. Ouvrez les guillemets. Notre oraison funèbre, c'est un serment. Continuez leur lutte. Notre deuil, c'est nous armer pour le combat. Fermez les guillemets. Ce combat, pour Clara, consistera essentiellement à essayer de faire prévaloir ses analyses et ses propositions d'action sans aucun succès auprès de la direction de son parti, le KPD, Parti communiste allemand. Elle mesure, à partir de 1927, les effets de la stalinisation qu'elle exprime ainsi dans deux lettres en 1929. Le comité exécutif de l'Internationale communiste, ouvrez les guillemets, s'est transformé en une mécanique morte. D'un côté, elle avale des ordres en langue russe et recrache de l'autre côté des ordres en différentes langues. Deuxième citation. La ligne anéantit tout ce que nous a enseigné la théorie de Marx et ce dont la pratique de Lénine a démontré la justesse théorique. Fermez les guillemets. Je résumerai ainsi ces analyses qui me semblent pertinentes. Dès 1919, Clara Zetkin considère que la période en Allemagne est marquée par le flux et le reflux de la Révolution et que de ce fait, le facteur subjectif, c'est-à-dire l'attitude du KPD et de ses militants, est déterminant. La montée du nazisme, qu'elle analyse sociologiquement et politiquement, accroît l'urgence d'une politique révolutionnaire cohérente, en particulier contre la direction forcenée à gauche, menée par la direction du KPD. Elle défend sans relâche une politique de front unique contre la bourgeoisie et le fascisme. En conclusion, je dirais que Clara Zetkin est bien moins connue que ne le légitimerait son rôle militant de ses 20 à 76 ans dans le mouvement féministe prolétarien et dans le mouvement ouvrier en général. Rejetée de la plupart des féministes pour son combat de classe, dédaignée comme droitière car elle ne prend conscience du rôle de Staline et sa bureaucratie qu'en 1927, niée par d'autres pour la dernière partie de sa vie parce qu'elle s'est opposée à Staline, on peut dire que la postérité de Clara a pâti d'un sectarisme qu'elle avait combattu toute sa vie durant. Voilà. C'est fini. Je ne sais pas si parmi nous, certains connaissent déjà Clara Zetkin et auraient quelque chose qu'ils voudraient ajouter quant au profil de cette féministe-là, ou bien si vous voulez
évoquer d'autres figures féministes, ou bien si vous voulez mettre en lien l'expérience que nous a donné à voir Marie de Clara Zetkin à l'époque où elle vivait, donc elle est décédée à 70 ans environ. Non, 1930 On lui restait, c'est à peu près ça. Donc, 76 ans. C'est un grand décalage par rapport à l'histoire, mais néanmoins des questions qui restent tout à fait aussi actuelles. Donc voilà, donc, vous êtes invité à vous exprimer, ce qui ferait écho pour vous dans ce qui vient d'être. Alors c'est juste une question, mais parce que vous, non, enfin, en tout cas moi je ne la connaissais pas, mais parce que je ne suis pas très renseignée. Mais en dehors du coup de la connaissance qu'ont la plupart des gens, est-ce qu'elle a influencé des figures postérieures ou pas? Enfin, est-ce qu'il y a des personnes plus connues, des féministes plus connues qui sont venues à... D'autres femmes qui sont son héritière de Clara Zetkin, c'est ça ta question? C'est ça, et qui se revendiquent de son héritage. Je suis en train de réfléchir. Mais c'est possible aussi que de la salle on réponde. Oui, oui, oui. Je pense que c'est ouvert parce que vous m'avez entendu parler assez là. Si je sais pas, Si, je regarde moi les dates de. Moi, je suis très fan de Flora Tristan, mais c'était à peu près à la même époque. Non, c'est aussi. Flora Tristan, c'est assez avant, c'est au 19e siècle. Juste un petit peu avant. Et Flora Tristan, oui, effectivement, c'est une personnalité. On peut la situer. Ouais. On peut situer Flora Tristan, effectivement, comme une féministe prolétarienne aussi. Elle a été d'ailleurs admirée. Et Marx et Engels, ils ont fait référence comme une figure importante. Elle a fait un tour de France et elle est morte à Bordeaux, épuisée d'ailleurs. Et à la fois dans sa vie privée comme dans sa vie publique, c'était aussi un exemple, quoi. Elle disait que la femme est le prolétaire, elle est le prolétaire du prolétaire. Il me semble que c'est Flora Tristan qui est à l'origine de la phrase prolétaire de tous les pays, unissez-vous. Et pendant longtemps, on a pensé que C'est une phrase du manifeste, mais oui, Marx et Engels, c'est possible, hein, c'est possible. Flora Tristan, c'est oui, mais c'est elle a contrairement à ce que pensent beaucoup de gens, oui, elle a influencé Marx et Engels, oui, oui. Voilà. Puisque, en fait, avant de France, par exemple, elle a écrit Promenade dans l'ombre, si je me souviens bien, hein, où elle décrit la situation de la classe laborieuse en Angleterre. Oui, je cherche par rapport à la question hein, sur après Clara Zetkin, il y a eu d'autres. Il y a quelque chose. Je parle un petit peu. T'essayes de monter ta voix parce qu'il y a bien un micro, mais c'est un peu compliqué. Ok, alors là c'est bon ou pas? Oui. Vas-y. J'essaie. Je dis dans les gens, tu vois, sûr que ça, à mon avis, je crois que ça a été tenu de toute manière tous ces gens-là qui étaient. Enfin, effectivement, déjà, bon, l'opposition de gauche, est-ce que les gens qui étaient dedans, enfin, un peu partout, enfin, qui sont opposés au stalinisme, est-ce qu'ils sont si connus que ça? Est-ce qu'ils ont une descendance si grande que ça? Ça peut se discuter. Mais je pense que déjà, il y avait des gens à son époque. En France, il y avait des militantes comme Marthe Bigot qui étaient dans... Comme qui? Je suis un peu sourde. Pardon? Je suis un peu sourde, j'ai pas entendu. Comme Marthe Bigot qui était, Marthe Bigot. Qui était à l'origine du parti communiste. Il a notamment écrit une brochure qui s'appelle « La servitude des femmes » en 1921. Mmh. Et c'est très chouette, en tout cas, si vous avez l'occasion de le lire. Mmh. Et je crois qu'à Poissonnerie, il y en a eu plusieurs. Je sais qu'Angela Davis a écrit une lettre d'hommage à Clara Zetkin. Qui ça? Angela Davis. Oui, c'est possible. Ouais. Ouais. Oui, c'est aussi le féminisme prolétarien, Angela Davis. Et il y a une elle est moins connue que Rosa ou Clara Zetkin, c'est Louise Baudin, qu'on avait surnommée la bolchevique aux bijoux, c'est les bijoux. Et elle était à l'origine du Parti communiste en Bretagne, Louise Baudin. C'est prématurément, elle a mené un combat pacifiste contre la guerre 14-18. Et juste avant sa mort, elle avait rejoint l'opposition de gauche contre Staline.
Mais avant, Claire Zetkin, dans un premier temps, était en désaccord avec l'opposition de gauche. C'est pour ça que je dis en conclusion, elle a été de tous côtés niée, parce que l'opposition de gauche a pu se montrer sectaire sur la question du fait qu'elle avait soutenu Staline au début essentiellement contre Trotsky, parce que sur l'opposition de droite, c'était une amie de Boukharine, Nicolas Boukharine. Je n'ai pas pu rentrer dans le détail, mais c'était... Après la mort de Lénine, elle s'est rapprochée de Boukharine. Voilà. Mais... Moi, j'ai juste un petit truc que j'avais fait pendant des cours que j'avais donné à la fac. J'avais fait un cours d'histoire des droits des femmes et justement, je trouvais ça assez intéressant ce que vous disiez sur ce qui se passait au congrès international des travailleurs. Et dedans, justement, j'en avais un petit extrait. Je me suis dit, je pouvais peut-être le lire. Bien sûr. Du coup, c'est bien antérieur, c'est 1866. Mais je trouvais ça très révélateur et très en connexion avec, avec ce que vous disiez. Du coup, c'était cet extrait qui dit donc « On avait dit que l'Association internationale des travailleurs prêchait la soi-disant émancipation de la femme, l'abolition de la famille. » Et donc, la personne qui a rapporté les propos dit « Je désirais entendre une explication catégorique pardon, à ce sujet. Or, voici les conclusions du mémoire sur le rôle de la femme dans la société lu par un délégué de Paris. » La femme est le fondement de la société, la place de la femme est au foyer domestique. Non seulement nous ne voulons pas qu'elle l'abandonne pour siéger dans une assemblée politique ou pérorer dans un club, mais nous ne voudrions pas même s'il était possible qu'elle le quittât pour s'occuper d'un travail industriel. L'assemblée était unanime pour témoigner par ses applaudissements qu'elle partageait cette manière de voir. Oui, c'est pas surprenant du tout, je suis d'accord. T'as raison de situer aussi. Et en France, notamment... Donc d'abord dans l'AIT, c'est la première internationale. Il y avait à la fois Marx et Bakounine, et il y avait aussi les Proudhoniens. Et les Proudhoniens, enfin Proudhon, était quelqu'un d'extrêmement misogyne. Par exemple, il a dit le pas des femmes n'est pas pour marcher battre le pavé, il est celui de la valse où elle doit suivre son cavalier, de mémoire à peu près, quoi, ce qu'a dit Proudhon. Et donc, le mouvement ouvrier, syndicaliste et politique, a été extrêmement marqué par les Proudhoniens qui, effectivement, sortaient ce genre de choses. Et par contre, comme tu dis, dans les clubs, il y a eu beaucoup de femmes dans les clubs sous le Second Empire. Et ensuite, dans la Commune de Paris, c'est peut-être l'objet d'un autre exposé, les communardes ont manifesté, les femmes ont énormément participé à la Commune. Et d'ailleurs, la dernière barricade qui est tombée, elle a été... tenue par des femmes. Elles ont montré un courage extraordinaire. Et les écrivains et les bourgeois, etc., ne sont pas trompés ou ils ont plus vilipendés encore que les hommes. C'était terrible ce qu'ils ont dit. Donc dans les clubs, il y avait deux groupes importants de femmes qui étaient traversées par le même courant politique que les hommes. Il y avait les blanquistes. Alors blanquistes, vous voyez, on pourrait se dire que c'est un peu des anarchistes pour le vocabulaire actuel. Hein, permanent. C'est pour un coup d'État. On pense que la prise de pouvoir reposerait sur un coup d'État ouvrier. Blanqui, on l'appelait l'enfermé parce qu'il a été pratiquement toute sa vie en prison. Et à cette époque, Louis Michel, qui est très connu, était blanquiste. Donc il était dans l'organisation blanquiste et dans le comité de Montmartre. Et il y avait une autre organisation parallèlement. Donc c'était les mêmes courants politiques que les hommes. C'était les internationalistes de l'AIT avec... notamment Elisabeth Mitrioff, qui était une représentante de la troisième de la première internationale, qui avait été envoyée par Marx à cause de sa connaissance du français et ses grandes capacités d'organisation. Donc Marx, lui, par contre, reconnaissait ce talent, puisque c'est Dmitrieff, Elisabeth qui a été choisie. Et elle dirigeait l'Union des femmes avec Nathalie Lemel, qui était une marxiste ouvrière, une ouvrière. Et ça me rappelle la conversation qu'on a eue
qu'on a eu ensemble, avec Verlin, elle avait fondé des marmites, ce qu'on appelait la marmite. C'était des restaurants autogérés qui permettaient de se nourrir, même en période de chômage, etc. Et il y avait des petites marmites tout le temps pendant la commune de Paris. Donc, contrairement aux hommes, par contre, Louise Michel et Nathalie Lemel s'entendaient bien. Et elles ont demandé à partager la même cabane quand elles ont été envoyées en Nouvelle-Calédonie. D'abord, elles ont demandé les mêmes peines que les hommes, etc. On se sait. Et elles ont partagé tout leur temps où elles étaient proscrites. Enfin, où c'était là-bas. Je ne sais plus pourquoi on était parlé. Ah oui, oui, parce que bon. Vous pensez à ça, les marmites, ça peut être bien en temps de crève, général. C'est pour ça qu'on discutait là-dessus, en fait. Il aurait tout ceci un peu, quoi. Je pense. La remarque que contenait le propos que vous nous avez cité sur cette espèce de posture masculine, y compris dans les rangs dits progressistes, je pense qu'elle persiste vraiment très fortement jusqu'à ces derniers jours, jusqu'à présent, et c'est une vraie complexité dans la lutte justement pour ne pas se tromper d'adversaire et à un moment donné de ne pas s'enfermer dans quelque chose qui soit d'opposition de genre simplement. Mais la réalité est bien qu'à un moment donné, la situation d'exploitation globale du travailleur fait qu'effectivement, elle oppose hommes et femmes. Et du coup, les hommes, pour sauver leur peau, ont tendance à se dire les femmes, restez donc là où vous êtes. Quoi. Je voyais ça hier très bien dans un petit film que, je ne sais pas si vous étiez les uns les autres, dans le cadre de l'intersyndicale qui organise un petit peu le mouvement contre le projet de réforme des retraites. Là, c'est gentil. Il y avait un petit film qui était programmé à Utopia hier qui s'appelait We Want Sex Equality. Vous connaissez peut-être. Il est succulent, ce petit film. Il date de 1968. La situation est de 1968. Elle fait tout à fait écho à ce que vous disiez d'un siècle plus tôt, et elle est encore cohérente avec ce que nous vivons, hélas, aujourd'hui. Quoi. Enfin, je veux dire, et vous avez fait avec en plus tellement de joliesse, j'ai envie de dire, c'est très très bien. Voilà, donc ça, je pense que c'est un enjeu important de la lutte féministe, mais de la lutte des classes plus globalement pour pas se perdre. Enfin, moi, je pense qu'il faut vraiment qu'on soit capable de faire le tri des choses dans ce moment-là. Ouais, ça concerne aussi les jeunes, même moins qu'à l'époque, mais quand même encore, et les immigrés aussi, qui viennent manger le pain des Français, vous savez. Donc c'est aussi, il y a une sous-représentation dans les ouvriers des travailleurs d'origine immigrée. Vous alliez dire quelque chose? Oui, non, juste que moi j'avais trouvé des échos de ce propos dont vous parliez de ne pas se tromper d'ennemis dans la lutte. Oui. J'avais vu notamment dans l'ouvrage de Sylvia Federici, Caliban et la sorcière, et dans son introduction, elle expliquait que c'était justement une erreur qui était souvent faite dans les analyses un peu socialistes des rapports sociaux et des rapports de force, qui était de ne pas suffisamment prendre en considération tout l'impact de la différence de traitement sexué qui était faite dans la société, quoi. Et que justement ça pouvait créer des luttes pas forcément nécessaires, quoi, sociales. Vous dites comment il s'appelle Caliban et la sorcière de Sylvia Federici. Au début de ton topo, tu as dit, alors j'espère ne pas avoir mal compris, que Clara Zetkin pensait qu'il y avait une différence notable, voire même opposition, entre le féminisme populaire et le féminisme bourgeois. Est-ce qu'elle a évolué sur ce point de vue-là
qui à mon avis est une position assez dépassée, je crois. Je crois que c'est encore prégnant quand même. Je crois que c'est encore prégnant, pas autant évidemment. On pourrait dire qu'il faut aller au suffrage censitaire, je pense qu'il y a des associations qui s'affirment féministes qui se trompent de combat, qui ne voient pas l'essentiel. Je veux dire que bon. C'est le féminisme, ils sont rentrés au gouvernement pour qu'on ne dise plus mademoiselle. Je ne suis pas sûre que ce soit le combat fondamental pour les femmes. Parce que la question, c'est l'égalité pour moi. Ce qui est fondamental, c'est évidemment l'égalité des salaires, c'est le droit à l'avortement, etc. C'est ces droits-là. Plutôt que de mener des combats, ma foi, un peu illusoires. Et que ce soit Oser le féminisme ou avant, je ne sais plus quelle organisation féministe, ils ont intégré, dans tous les derniers gouvernements, ces organisations féministes ont été intégrées. Hein. Enfin, leur chef-tête, elles ont été, elles sont gouvernement encore. Là, en ce moment, c'est, comment elle s'appelle Marlène Schiappa, bon, c'est pas l'avant-garde, hein, mais elle se dit féministe, quoi. Même s'il a écrit aux électros, je ne sais pas trop quoi. Donc je pense que ça existe encore. Ça existe encore. Après, ça dépend des lieux, des moments. Par exemple, quand tu me dis ça, peut-être tu penses à l'AG féministe, qui regroupe essentiellement le planning et les organisations féministes qui sont proches du mouvement ouvrier ou qui combattent. Mais à la fois, personnellement, même avec l'AG féministe, qui effectivement, c'est pas bourgeois du tout hein, comme rassemblement, moi, par exemple, je suis en désaccord avec les réunions et les manifestations non mixtes. Je suis pour... C'est des hommes qui sont plus féministes que des femmes. Hein. C'est pas une question de... Là-dessus, je trouve que Clara Zetkin a tout à fait raison quand elle parle de « mensch », l'être humain. Donc on n'est pas défini par notre sexe. Il y a quelqu'un qui demande la parole. Oui, non, mais c'était par rapport à cette remarque. En fait, je pense que la distinction, elle est toujours très juste de distinguer féminisme bourgeois et féminisme prolétarien. Le gros problème qu'on a peut-être aujourd'hui, c'est justement que le féminisme prolétarien... Il est très peu audible, il existe assez peu, en fait, il y a très peu de courants prolétariens déjà qui se font entendre, et très peu de courants féministes prolétariens qui encore plus se font entendre. Et c'est peut-être là le souci à la fois du mouvement ouvrier et du mouvement féministe, c'est qu'en fait, ce pan-là du féminisme a un peu disparu, enfin il existe toujours, mais il a du mal à se faire entendre. Et justement, en fait... Moi, par rapport à la première question qui avait été posée sur des féministes ou des figures qui encore aujourd'hui se revendiquent de j'allais dire Rosa Luxembourg, mais non Clara Zetkin, même si c'est souvent les mêmes qui s'en revendiquent. En fait, au-delà de telle ou telle figure, c'est effectivement des organisations politiques qui continuent à défendre ce qu'a défendu Clara Zetkin et qui effectivement ont bien raison de le faire. Et je pense que par bien des aspects, on a encore beaucoup... à apprendre en relisant ce que Zetkin a pu écrire ou quoi. Mais bon, s'il faut citer des noms, au-delà des organisations, oui, des marxistes révolutionnaires et féministes comme Arlette Laguiller, pour en citer une française, je pense qu'effectivement, elle se situe dans une bonne partie, dans la droite ligne de Clara Zetkin, quoi. Mais... Si personne ne rebondit. Ce que je pense, qui je crois est attesté, c'est que les questions de droit des femmes, des revendications des femmes, ont un côté spécifique qui ne peut pas se ramener
uniquement à des revendications sociales et de classe. C'est-à-dire que il y a des revendications qui sont des revendications spécifiques et que les mouvements féministes répondent à cette demande-là. Qui je pense à des bases à la fois objectives et historiques. Oui, enfin, je vais rebondir là-dessus en disant que c'est le... Enfin, on peut parler peut-être du concept d'intersectionnalité, là, que je reconnais, où il y a quand même des revendications... c'est pas qu'un problème de lutte des classes, pour moi, même si je suis pour un féminisme lutte des classes, il y a des revendications spécifiques aux femmes, au féminisme. Deux personnes qui veulent prendre la parole, comme vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. Vas-y, alors. C'était pour vraiment un peu... Tu veux parler plus fort ? Moi, je suis sourde. Ces questions-là, je pense qu'il n'a jamais été question de dire, même pour les militants féministes prolétariennes, que le féminisme réduisait d'une certaine façon à la lutte des classes, ou qu'il suffisait de faire une révolution prolétarienne ou quoi pour se débarrasser du patriarcat qui, je pense qu'on sait tous, a largement préexisté au capitalisme. Quoi. Mais aujourd'hui... je pense que c'est important de se poser la question de qui entretient cette vision-là et pourquoi, et qui elle sert réellement. Je pense qu'en effet, c'est la bourgeoisie, quoi. Et de ce point de vue-là, c'est le mouvement prolétarien qui peut... Enfin, c'est les ouvrières, notamment, et leurs camarades ouvriers, qui, quand elles rentrent en lutte, peuvent remettre tous les fondements de cette société en cause, quoi. D'ailleurs, ça a tout à voir, je suis désolée, hein, le patriarcat et tout ça, avec l'organisation sociale et économique de la société. Enfin, qui occupe les boulots les plus précaires aujourd'hui, qui a les salaires les plus bas, qui va être par exemple le plus frappé, notamment par la réforme des retraites qui est en train de passer en ce moment, bah, c'est les femmes, quoi. Et ce, partout dans le monde. Donc de ce point de vue-là, je pense qu'il n'y a que les femmes prolétaires en fait, qui peuvent défendre les intérêts des femmes, de toutes les femmes, en fait, de toutes les couches sociales, et non pas, à mon avis, les nombreux courants féministes bourgeois qui en fait prennent pas en compte ces trucs-là, quoi. Enfin, qui défendent pas les intérêts des femmes les plus pauvres, des femmes travailleuses, quoi. Par contre, je pense que l'inverse est vrai. Je pense que les femmes travailleuses, elles sont capables, par leur lutte, de changer la société et d'améliorer le sort de toutes les femmes, quoi. C'est un peu ça. Voilà. Oui, alors déjà, je suis désolé, je ne peux pas parler plus fort que ça. Mais. Je suis assez d'accord avec ce que la copine a dit. Surtout, en fait, je pense que cette question de parler de revendications spécifiques, elle ne me semble pas forcément juste, parce que ces revendications-là, je pense que toute organisation qui se réclame du mouvement ouvrier, en fait, il doit les avoir, les revendications féministes, parce que c'est justement toutes les analyses de Clara Zetkin sur la nécessité de l'abolition du travail domestique, et que, en fait, peu importe que dans une organisation de la classe ouvrière, il y ait peut-être plus de mecs qui soient organisés que de meufs, en fait, ça ne change pas, que, y compris les mecs, ils doivent porter ces revendications. Donc je ne sais pas si c'est tout à fait juste de parler de revendications spécifiques, parce qu'en fait, toute organisation du mouvement ouvrier, toute organisation qui se revendique de la lutte des classes, et bien en fait, elle a à cœur d'abolir cette frontière entre les hommes et les femmes, qui en fait, ouais, comme disait la copine, mais sert tout à fait à la reproduction des intérêts de la bourgeoisie, quoi. Du coup, je ne sais pas si je fais l'avocat du diable ou pas, mais je suis quand même un petit peu d'accord avec ce que vous disiez, monsieur. Ça a l'air d'être grave. Non, mais dans le sens où on l'a bien vu là, avec ce qui... notamment tout ce que vous avez dit pendant votre présentation et l'exemple que j'ai sorti, c'est que ce n'est pas nouveau que dans les organisations sociales, enfin socialistes, pour le dire comme ça, les
droits spécifiques des femmes ne soient pas toujours entendus, ni pris en compte, ni pris en cause. Donc, et pourtant, c'est des personnes qui avaient à cœur de profondément déranger la société. Moi, ce qui me dérange un peu, c'est l'idée d'imaginer qu'il y ait des droits spécifiques. Pour moi, ce sont les mêmes droits, hommes et femmes. Ouais. Et c'est déjà ça, de déjà avoir adopté cette idée que ce sont les mêmes droits. Pas spécifiques aux hommes ou aux femmes, mais les mêmes. Alors, ce qui fait qu'il y a lieu, à mon sens, aujourd'hui, dans notre... Enfin, pas qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant et depuis longtemps, à des mouvements spécifiques, c'est le fait justement qu'on ne soit pas sur le même pied d'égalité. Sinon, il n'y aurait pas lieu. On n'a pas besoin d'avoir, enfin, de défendre des droits économiques. Hein. J'ai entendu, je crois, que Clara Zetkin, comme Rosa Luxemburg, je crois, disait que avoir des droits politiques tout seul, c'était de la fumée, qu'il fallait d'abord avoir des droits économiques pour fonder son égalité et son autonomie pleine et entière et pouvoir être du coup sur le même terrain que les femmes. Et ensuite, les droits politiques allaient de pair. Et à partir de là, quelle est la spécificité? Quelle spécificité? Qu'est-ce qu'il y aurait de spécifique? Si ce n'est d'avoir droit au travail, d'être payé à hauteur de sa qualification et mieux un peu que ce qu'on est payé là, mais ça c'est vrai pour les hommes comme pour les femmes. Enfin, je pense qu'il y a des revendications justement qu'on a besoin de porter ensemble et qu'on serait bien plus fort à porter mieux ensemble. Et les mêmes, vas-y. Oui, je dirais qu'il ne s'agit pas que de droits économiques, parce que par exemple, dans le domaine de la sexualité, c'est quand même plus compliqué, parce qu'on peut parler d'agression sexuelle, de harcèlement, tout ça, enfin, oui. Tout ce qui concerne, il ne s'agit pas vraiment de droits économiques. Donc, là, on parle sur un autre. Il y a la question de l'actualité du droit à l'avortement. Oui. C'est une revendication spécifique. Et qui peut être portée par les hommes aussi. Oui. Qui peut être portée par les hommes aussi. Oui. Portée, mais je ne pense pas qu'il soit porté de la même manière et avec la même efficacité si c'est uniquement un droit qui est considéré comme un droit universel, alors que ça correspond à une demande qui a un caractère spécifique. Et par ailleurs, concrètement, je pense qu'il y a besoin de réunions non mixtes où, justement, comme... d'ailleurs, beaucoup de catégories sociales opprimées et la possibilité de pouvoir exprimer entre opprimés quelles sont leurs demandes, quel est leur vécu, parce que sinon on ramène les dominations, on les ramène uniquement à des rapports de classe, voire à des rapports économiques, ce qui est un peu plus compliqué. Je prends juste un exemple anecdotique aujourd'hui sur les comportements différents. Dans un domaine très anecdotique, je ne sais pas si vous avez entendu dans le domaine sportif que l'entraîneuse de l'équipe de foot française vient de se faire virer. Et il vient de se faire virer. Les commentaires, c'est pour faute professionnelle, d'accord. Vous avez le président du foot français, lui, il a refusé il ne s'est pas fait virer, il a démissionné, et il a démissionné, mais pour un poste de très haute responsabilité au niveau du foot européen. Il y a manifestement deux manières de traiter, y compris ce type de rapports sociaux, selon que c'est une femme ou un homme. Et la vie sociale, c'est aussi ce genre de relation, pas uniquement des relations économiques. Il y a quelqu'un qui demande la parole, là aussi. Après, là, et après, quoi, d'accord. Ça va être rapide, non. Vas-y, parle.
Mais en fait, juste en vous écoutant parler, j'ai peut-être l'impression qu'en fait, il y a un petit biais d'affaires parce que je ne vais pas définir ce qui est spécifique. Et qu'il y a des personnes qui parlent de revendications spécifiques et d'autres de droits spécifiques. Et que globalement, vous dites les mêmes choses, mais pas sur les mêmes sujets. Et que genre, vous parlez en fait de droits spécifiques et du fait qu'il n'y a pas de droits spécifiques en fonction de nos femmes. Et de l'autre côté, c'est qu'il y a des revendications spécifiques qui doivent être portées par tout le monde et que du coup, les trucs de même, c'est vraiment compatible. Mais moi, je pense justement qu'il n'y a pas de revendication spécifique. Par exemple, la question de l'IVG, prenons-la concrètement. L'IVG, qu'est-ce que ça veut dire, le retrait de l'IVG aux US? Ça veut dire que la bourgeoisie, elle préfère continuer sa militarisation, sa course aux armes, plutôt que de dédier à la santé. Et par ailleurs, il y a des mecs qui peuvent nécessiter des avortements. Hein. Je pense que c'est important de l'avoir en tête. Et que quand Clara Zetkin disait que ce n'était pas la maternité qui était une des caractéristiques de la condition féminine, elle avait tout à fait raison. Et ça a même un côté avant-gardiste, ce propos-là. Quoi. Par rapport à la question de qui est eu dans les mouvements marxistes, socialistes, en fait, du mouvement ouvrier, des idées très rances et que je pense qu'on a tout intérêt à combattre. C'est vrai, enfin, on ne se cache pas du tout de ça. D'ailleurs, moi je pense que c'est pas anodin ce qui était dit tout à l'heure, que les courants qui se sont opposés le plus ardemment à l'émancipation des femmes, ce soit ceux qui ont renoncé en fait à la lutte des classes ou qui ne l'ont pas mené jusqu'au bout. Les Proudhoniens, pour reprendre Marx, ils parlent de. Proudhon, il sait pas se dépêtrer de la contradiction entre travail et capital. Et Bernstein, c'est donc l'un des représentants des courants les plus rances sur les idées féministes. Et par ailleurs, c'est celui qui théorise qu'il y aurait des facteurs stabilisateurs du capitalisme et que donc. Il ne faudrait plus qu'y avoir des réformes. En fait, ce n'est pas anodin, c'est un lien logique. Quand on renonce à porter la lutte des classes jusqu'au bout, et la lutte des classes, c'est jamais qu'une question économique. La question économique est déterminante. C'est un aspect. Mais par ailleurs, en fait... les trois niveaux de structure dans le marxisme. Il y avait cette dame qui voulait parler d'abord. Oui, la dame du sondage, justement, elle va vous parler d'un temps révolu, mais enfin, il faut peut-être se souvenir du long chemin fait par les femmes pour oser prendre la parole. Pour oser prendre la parole. Tout à l'heure, dans l'exposé, c'était très intéressant parce qu'on voyait bien, que les femmes, si elles pointaient leur nez dans une réunion, elles étaient reléguées dans une arrière-cour. Enfin, on n'imaginait pas qu'elles pouvaient être dans une réunion avec des hommes. Bon, alors, on avance dans le temps. Il y a 68. Bon, 68, les femmes, elles n'ont pas énormément parlé. Ce sont des hommes. Des hommes qui avaient les mégaphones, qui parlaient, qui développaient des discours politiques. Toujours très rapide, mais avec une assurance qui faisait qu'aucune femme, aucune jeune femme ne se sentait capable, sauf quelques-unes qui étaient déjà militantes dans les JC, quelque chose comme ça. Sinon, la majorité, motus et bouche cousue. Mais elles ont retenu la leçon. C'est-à-dire que dans les années qui ont suivi, vers les années 70, où il y a eu tous ces mouvements sociaux, elles ont compris, après coup, qu'il fallait peut-être arriver à prendre la parole. Donc ça a pris du temps, ça a pris du temps. Et tout à l'heure, quand il était dit, mais on ne voit pas pourquoi, il n'y a pas besoin de trucs spécifiques, à partir du moment où il y a une organisation politique qui a, dans ses grands livres, les références à l'égalité hommes-femmes, tout va bien, rien n'est à faire. Ah ! Sauf que, dans le prolongement des années de 68, il y a eu émergence d'organisations d'extrême gauche. Avec plein de jeunes gens qui prenaient la parole, etc.
Eh bien, à l'intérieur de ces organisations, et l'une que je connaissais particulièrement bien, eh bien, les filles ont été jeunes, eh bien, elles avaient quand même du mal à prendre la parole. Parce que on avait en face de nous des hommes, des jeunes hommes, qui avaient une avance considérable en matière de lecture et de théorie politique. Et donc, ils avaient un discours. Dans ces cas-là, alors, et le propre, justement, quand on dit, mais qu'est-ce qui est le propre d'une femme ? Ben, le propre d'une femme, c'est qu'elle y réfléchit 20 fois avant de prendre la parole, en se disant, oui, mais moi, ce que je dis, c'est ce que je vais dire, c'est pas important. Quelqu'un d'autre l'aura dit, c'est pas la peine que je lève le doigt et que je bafouille, etc. Et là, il y a eu nécessité que les femmes de cette organisation d'extrême gauche, trotskiste, se réunissent un peu à part pour parler entre elles et prendre l'habitude de parler sans avoir peur d'être contré de façon, voilà. Donc rien n'est acquis, et c'est pas parce qu'il y a des textes de référence. Il y a eu un combat interne, il s'en souvient le camarade de là. Il y a eu un combat interne nécessaire, et à ce même moment, les femmes de la Ligue, puisque c'était la Ligue communiste. On a compris. Les femmes de la Ligue se sont réunies à côté, et c'était en même temps l'émergence des groupes femmes. Donc il y a eu interaction de tout ça, et progressivement, elles ont pris en main leur combat, et acquis une assurance qu'elles n'avaient pas. Donc c'est vraiment la question de la prise de parole, c'est quelque chose qui est récent. Moi, franchement, j'ai jamais vécu ça. Bon, moi, j'étais pas laïque, c'est un autre courant trotskiste, mais on n'a jamais pensé que c'était utile. Enfin, moi, j'ai jamais été dans mon organisation brimée parce que j'étais une femme. Ça m'a jamais... moi, jamais empêché de parler. Moi, j'ai toujours... par contre, elles n'étaient pas brimées. Par contre, elles s'auto-censuraient. Oui, c'est complètement différent. C'est pour ça dans l'organisation, il y a une commission femmes travailleuses, effectivement, voilà. Mais où on accepte les hommes. Je ne sais plus qui parlait sur la question du droit à l'avortement, mais ce n'était pas spécifique. Aussi, moi, j'appartiens au comité de défense de la gynécologie médicale. Quand on a manifesté à Paris, c'est vrai que c'était voir un homme à la voix grave dire « Nous voulons le gynécologue de notre choix ». Ça faisait un peu marrer, mais en fait, c'était pas choquant. Je trouve que on en revient à ce que disait Zetkin, Clara Zetkin, c'est l'homme, la femme, l'homme sont des mâles, sont des êtres humains, et à nous de ne pas accepter d'être renvoyés à notre sexe, je crois. Mais bon, c'est vrai que c'est une étape, je pense, une multitude d'étapes, peut-être après, ou déjà, j'ai jamais eu l'impression qu'on m'empêchait de parler ou qu'on me reléguait dans, tant que femme. Vous voulez dire un mot ? Que moi, par exemple, je pense que je suis un peu plus jeune et je l'ai vécu. Donc, voilà. Tu es plus jeune que moi, ça, c'est sûr. Mais voilà, et puis je pense qu'en dehors des vécus personnels des uns et des autres, c'est quand même des faits largement démontrés maintenant. Statistiquement, la place que les hommes prennent dans les assemblées, la marge de parole qu'ils ont, l'assurance qu'ils ont, le sentiment d'auto-légitimation qu'ils ont, et que les femmes n'ont pas, que ça soit parce qu'elles s'auto-censurent ou parce qu'il y a des coupages de parole systématiques ou autres, c'est des choses qui sont plus que largement démontrées maintenant. Et s'il y a un besoin de certaines femmes d'avoir ces espaces en non-mixité pour que la parole puisse se développer et qu'elles puissent, entre elles, gagner cette force que la société ne leur donne pas depuis leur naissance, culturellement, on n'est pas éduqué à avoir cette force-là, à pouvoir s'exprimer devant les autres.
j'y vois pas un mal fondamental particulièrement grave. Quoi. Non, mais il y avait quelqu'un qui voulait pas tout à l'heure. Oui. Oui, non, mais enfin, je vais rapidement parce qu'en fait, comment dire, je pense qu'effectivement, il y a des moments où, y compris les ouvrières, par rapport à leurs camarades ouvriers, elles auront des choses à revendiquer en plus. Alors, est-ce que c'est une revendication spécifique ou pas, je ne sais pas. Mais par contre, ce que je sais, c'est que, en fait, il n'y a que les ouvriers et les ouvrières qui portent la capacité de mettre en place toutes ces revendications-là, de les satisfaire vraiment. Et par ailleurs, je pense que, tout simplement, malgré toute la misogynie qui traînait et qui traîne, à mon avis, encore dans les organisations de la classe ouvrière, en fait, dans les révolutions ou dans les révoltes ouvrières, c'est dans ces moments-là que les progrès, y compris de la situation des femmes, ils sont les plus importants. On a évoqué la Commune de Paris comme on a évoqué 1917, mais c'est des moments d'avancée pour les femmes, y compris parce qu'elles se sont battues, mais parce que c'est des moments où, oui, quand on est une ouvrière et qu'on se bat pour les droits de tous les ouvriers, ben oui, on se bat aussi pour en se disant « Merde, tant qu'à faire, je vais aussi me battre pour mes intérêts à moi en tant qu'ouvrier, enfin, en tant qu'ouvrière, donc en tant que femme aussi. » Donc c'est des moments où on prend ce truc-là. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, on ne doit pas s'en soucier du tout en se disant bah, « De toute façon, à la révolution, les ouvrières font le taf. » Moi, je pense qu'aujourd'hui, toutes les organisations révolutionnaires doivent se poser ces questions-là et de comment on prépare effectivement à la révolution, enfin, comment on se forme et comment on fera en sorte que la place des femmes, elle soit égale à celle des hommes. Et effectivement, ça veut dire que l'ensemble des militants doivent être organisés, parce qu'en 1917, c'est pas seulement parce que les femmes se sont battues, mais c'est parce qu'il y avait un parti, le parti bolchevique, qui était prêt à donner moyen pour que toutes les femmes puissent avoir accès, oui, à l'IVG, pour qu'il y ait au moins une ministre femme, pour qu'il y ait tout un tas de droits qui soient accordés. Ça a été une lutte volontariste aussi. Donc les deux ne sont pas déliés, hein. C'est pas la révolution, ça, tout sera réglé. Mais par contre, effectivement, je pense que ce qu'on veut dire par là, c'est que, et c'est pour ça qu'on a des gros désaccords avec les féministes bourgeoises, c'est qu'en fait, on est convaincu que seule la révolution prolétarienne pourra sortir les femmes de leur situation. Et ça, évidemment, bah, les féministes bourgeoises qui veulent maintenir la société bourgeoise, elles ne sont pas prêtes à l'admettre, quoi. C'est un peu le point. Vous vouliez dire quelque chose? D'ailleurs, pour parler du fait de la révolution bolchevique, voilà, quand les bolcheviques quand les prolétaires, les femmes quoi, sont arrivées au gré du pouvoir, les premières, il y a quand même des réformes qui sont passées de l'ordre, on est en 1917 quoi, en Russie, dans un des pays qui de base était le plus arriéré d'Europe, et c'est quand même droit à l'avortement, dépénalisation de l'homosexualité, interdiction du mariage forcé, tout ça quoi, enfin, de l'union religieuse et tout, qui sont passées. Bon, évidemment, après l'État a dégénéré, plein de gens, et Staline a vite repris ces droits-là quand il a pris le pouvoir, mais j'en sais pour dire que quand même, le mouvement ouvrier a toujours, en tout cas, porté dans son essence quoi, ces questions-là. Mais je pense que personne ne dit en revanche qu'il suffit, entre guillemets, de faire une révolution prolétarienne et de se pencher sur ces questions-là pour se débarrasser du patriarcat qui, encore une fois, n'a pas été inventé par les bourgeois, mais sur lesquels, pour revenir sur ces questions d'avortement, elle a voulu parler de l'avortement, du droit à l'IVG qui a été complètement bafoué en plus, aux États-Unis. Si ça passe, si ce truc-là se déroule en ce moment, à mon avis, c'est pas nécessairement que la bourgeoisie aux États-Unis est dans son ensemble ultra misogyne et tout, même si je pense qu'il y a quand même des franges de la bourgeoisie qui sont très conservatrices, très misogynes, très cadeaux et tout quoi. Mais c'est aussi par pur opportunisme quoi. En fait, la bourgeoisie, pour maintenir les capitalistes quoi, pour maintenir cette espèce de monde qui repose sur l'exploitation, sur la désorganisation totale de l'économie qui fait que ils détruisent complètement l'environnement, ils exploitent la majorité de l'humanité qui peut. Pas se chauffer, pas se nourrir correctement, alors qu'il y en a à côté qui en mangent des milliards et des milliards, pour faire tenir un truc aussi injuste, il faut bien diviser la société, il faut bien se reposer sur une espèce d'échafaudage réactionnaire, quoi, quand il faut. Et là, en ce moment, la bourgeoisie aux États-Unis, elle sait bien sur qui s'appuyer quand ça va déborder socialement.
qui a réprimé les mouvements Black Lives Matter, etc. pendant les dernières années, c'est tous les groupes fachos, réactionnaires, avec lesquels elle n'hésite pas à flirter, à mon avis, même pas que par idéologie, mais par nécessité pour elle, quoi. De même que ce truc de faire reculer le droit à l'avortement, ça permet aussi de diviser aussi la société, quoi, en plus. Une contribution que nous n'avions pas sollicité, mais... Oui, c'est très juste. Enfin, c'est, effectivement, tous les congrès d'octobre, on revient à ce que je disais, que c'est les plus rétrogrades sur le plan social qui sont aussi rétrogrades au sein du mouvement populaire. C'est pas pour rien qu'effectivement, c'est Staline qui est revenu sur toutes les mesures d'octobre. Mais c'était pas magique, hein. C'est-à-dire que les mesures ont été prises très rapidement par le mouvement des commissaires du peuple, mais. Clara Zetkin, dans ses nombreux voyages en URSS, a pu constater que c'était pas forcément adopté partout. C'est pas, on ne se débarrasse pas du patriarcat magiquement. Mais on peut simplement, parce que faire vraiment, c'est ça, c'est très très intéressant. On n'en parle pas souvent, mais les laveries, les cantines communautaires et tout, c'est absolument nécessaire pour échapper à la double tâche qui attend les femmes. Donc, je pense aussi que effectivement, le sort des femmes ne sera réglé que par une révolution prolétarienne, et qu'en même temps, ça ne suffit pas, quoi, effectivement. C'est pas magique, quoi. C'est le rapport. Les mentalités, etc., qu'elles évoluent, pour les faire évoluer. Il faut donner le socle pratique pour que ce soit possible, et puis après, oui, c'est un... Une dernière petite intervention, peut-être, parce qu'après, pardon. Oui, c'était pour rebondir sur le fait qu'effectivement, au niveau social, la non-mixité, elle existe déjà, puisque, par exemple, les syndicats, en principe, ils s'organisent indépendamment du patronat, les opprimés s'organisent indépendamment, enfin, en principe, donc ça concerne pas, c'est pas qu'un problème de genre. Oui, mais si on dit, par exemple, se réunir séparément, j'avais donné la comparaison qui est juste, je pense, avec les immigrés, à travers les immigrés, qui ont les mêmes... on ne va pas proposer aux immigrés de se réunir ensemble sous prétexte qu'ils sont sous-représentés dans le syndicat et les partis ouvriers. En France, toujours, mais c'est vrai que c'est une question qui demande réflexion, qu'on ne peut pas balayer d'un revers de la main. Par exemple, aux États-Unis, si on étudie la question noire, effectivement, l'organisation spécifique noire, ça peut être une proposition légitime. Je pense que, par contre, en France, sur la question de l'immigration, mais c'est effectivement des choses dont on débat entre nous, parce qu'elles ne sont pas si simples que ça. Hein. Non, mixité, je sais pas. Ça se discute. On en restera là pour ce soir. Donc, je vous remercie bien d'avoir participé aussi activement à ce moment d'échange sur le profil de Clara Zetkin. Bernard a un petit mot à nous dire pour finir, alors on va te donner le mot de la fin. Juste une enquête qui a été donnée aujourd'hui sur le devenir scolaire. Oui. C'est-à-dire que. Au niveau du devenir scolaire, les filles réussissent mieux que les garçons, mais par contre n'accèdent jamais au poste de responsabilité, et que par ailleurs, la dominante chez les filles, c'est un sentiment d'illégitimité, c'est-à-dire quelque chose... qui ne peut pas se ramener uniquement à des questions de rapports sociaux ou de rapports de classe, qui sont quelque chose de plus profond et qui remonte à la société patriarcale, qui est quand même une donnée antérieure
à la société capitaliste. D'accord ? Oui. Juste pour finir, si vous avez envie d'adhérer à l'Université populaire de Bordeaux, il y a un petit papier là pour souscrire votre adhésion. On sera ravis de vous accueillir. On a besoin toujours de monde. C'est à prix libre. Pardon, c'est prix libre, oui, l'adhésion. Après, il y a des petits flyers où vous avez nos coordonnées pour pouvoir continuer de participer à diverses activités quand il vous chante. Il y a dans les semaines qui viennent, là, donc le jeudi à cet endroit, toute une série de conférences qui vont traiter successivement du thème de la guerre, sous différents angles. Ça ne manquera pas d'intérêt. Après, je ne sais plus trop ce qu'on a au programme, mais puisque vous irez y voir. Hein. Et il se prépare pour l'automne un big festival, comment ils appellent ça, le Grognan chaque année. Hein. Et là, c'est le Grognan de la paresse qui va être organisé à l'automne. Je pense que ce sera très bien quand je vois les petits échanges qui commencent à construire ça. Ça devrait être très, très intéressant. Voilà. Merci à vous. Et puis vous avez pris un joli petit flyer. Mais j'ai vu la